Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Et on avait laissé Marois un peu bosser sa toile, enfin sa toile, son truc là, son œuvre de street art. Voilà, donc on va regarder ce qu'elle en fait. À part foutre du spray partout sur ses chaussures, elle en fait pas grand chose. Du spray jaune, du spray rouge. Vas-y, 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 regarde. C'est censé être une tête, ça? C'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est très très moche. Ouais. Je sais pas. Notre petit Caleb, qu'est-ce qu'il fait? Pour changer, il regarde la télé. Qu'est-ce qu'il fait là, Stéphane? Mais ah oui, on se connaît vraiment pas quoi. Montrer des photos, Selvadorada. Illuminer la journée, même si c'est la nuit. Et les chats commencent déjà à gueuler. Les chats commencent à me saouler. Ta 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 da la 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 la. Discuter son intérêt. Voilà. Stéphane, il s'était fait bouffer. On l'a transformé en vampire. J'entends des bruits. Ah, c'est elle qui gratte. C'est Athéna. Wow, ça c'est Krakrat, il ira vider la litière. Lui, il s'en va. Bah, c'est parfait. Les filles, enfin les filles, les enfants, Athénor, elle dort là. Aidan, il dort là. Moi, c'est choupette. On n'a pas mis les éclairages automatiques. Voilà, faut qu'il dorme dans le noir, ce petit. On a des chats partout aussi. Un là, un là. Il nous en manque un. Ah, ben il est là. Il veut se faire peinturlurer la tronche aussi par Marouat. Nabeshima. Non, mais barrez-vous, les chats! Quand même. Bon, ben voilà, on en était là. Je me souviens plus ce qu'on avait fait la fois dernière, à part... S'entraîner d'analyse technologique. Archéologique. C'était pas ce qu'on avait reçu au courrier? Je m'en souviens plus, j'avoue. Bon, j'avais vidé le truc, là, ça, je m'en souviens, mais bon, il en reste encore pas mal. Non, je crois que c'est Marois qu'elle reste. Ouais. Elle doit faire celui-là. Ah ben, il y en a là, ici. Bon, bah, t'iras aussi le faire, Marois. Comme ça, au moins, tout le monde le fera. Bon, taisez-vous, les chats! C'est Athéna qui est en chaleur, là. Oh là là! Ça suffit, oui! Oh là là, mais c'est buggé avec les chats. Par contre, au niveau des câlins, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faire un ami? Bah, j'ai pas vu passer de motif, moi. Ouais, vous avez vu, j'ai joué il y a 7 jours, voilà. Bon, je ne sais pas qui est parti, mais... Ritu, je ne sais pas qui c'est. Milagro? C'est quoi ces noms? Oh, par contre, Lisa va bientôt y aller aussi. Hein. C'est devenu une connaissance, on n'est plus trop amis avec. Et Sonia Gothic, elle est toujours adulte, mais vampire néophyte. Ah oui, on l'avait transformée. La vache, j'avais zappé ça. Ça remonte à loin, hein, par contre. Vas-y, j'ai pas regardé la peinture. Ouais? J'ai du mal à voir ça, dans quel sens faut le lire. C'est un œil, c'est une bouche, c'est un nez. C'est très bizarre. J'ai pas très très joli quand même. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas très beau. Oh! On était toujours avec sa putain d'aspiration, donc je vais la finir par la changer. On va mettre autre chose. Chef de bande. Non? On traînerait nous. Bon, on va faire ça, allez.
Acheter un avantage de groupe. D'accord. Tu peux acheter un avantage de groupe, c'est... Bah là. Avantage de groupe. Groupe populaire. N'a pas de poignée de main. Bonus sociaux, méchanceté. Accélération du gain de compétences. Bonus de drôlerie. Bonus de malice. Bonus de romantisme. Bonus de compétences. Accélération du... Ah ben oui alors! Compétence DJ. Ah, peut-être. Je trouve ça un peu bizarre, mais... Ambiance de groupe. Colère. Esprit de camaraderie. Confiance. Romantique drague. Oh, oui. Ouais, mais bon, ouais. Ambiance de groupe inspiration. Oh, on va prendre ça. Voilà, lui, ça lui fait gagner un truc. Effectuer 10 activités du groupe. D'accord, donc c'est danser, être amical, raconter des blagues et jouer aux jeux vidéo. Ok! Par contre, est-ce qu'on a une console? Oui, on a une console. Parfait. Bon, bah, au moins, on pourra faire ça plus tard. Quand il y aura peut-être... Oui, bon, on est samedi, on fera peut-être une réunion de groupe. Tu l'as fait, ton truc, là? Bah, mets dans l'inventaire. C'était pas un truc qu'il fallait qu'on renvoie, ça? Je me souviens plus. Ah, les chats! La ferme! C'est mignon d'avoir des chats, mais alors, quand ils louvent trop, ça devient chiant, hein? On est d'accord là-dessus. Ben voilà, ayant eu la renommée d'Ariel, là, on va recevoir vraiment des trucs à renvoyer. On a du pognon, un tire-larigot, on a 52 000 simflouz. Oh, ça, j'en veux pas, moi. Ah, j'allais dire, j'ai oublié qu'il y en avait la poubelle. Oh là là, ça va plus chez moi, ça va plus. Eh! Telle mère, telle fille. Oh. Oh. Ouais, la petite Azénor s'est levée. Ouais, tu vas pouvoir aller manger quelques petites choses. Ah, et petit Aidan aussi. Coucou, mon petit bébé. Non, ta soeur, elle est descendue là, Coco. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les pierres. Oh là. Tu vas descendre aussi, petit chou. Tu vas viendre ici. Voilà. T'en as pour environ 2 heures. Il est 6h28. Donc il arrive en bas, on verra. Hein. Maman, tu vas pouvoir lui sortir à manger, à ton petit garçon. Préparer un grand repas. Non, on n'y est pas encore. D'ailleurs, on est l'été toujours. Il va faire très chaud. Ah, demain, on arrive en automne. Toutes mes parties vont être en même temps en automne, ça va être génial. Faut prendre une boisson. Ah non, on va juste ouvrir. Hop. On va y donner fruits et yaourts. Eh ben non, on peut pas. Oh! La ferme, les chats. Ils sont où? Ils sont là-haut? Mais non, c'est lui. On quémande pas Apollon. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, vas-y, tu fais le sermonner. Félicitations, Marois vient de chambre. Ah bon? Je lui ai pas demandé. Qu'est-ce qu'il fout? Laisse le petit tranquille. Mais il déconne, il a pas bougé d'un poil. Non mais oh. Quand je vous dis qu'on en a pour 3 heures, je déconne pas, hein. Viens ici, Marouat. Ah oui, d'accord. Ça, ton chef-d'œuvre. 655 simflouz. Bon, vas-y, tu vas me vendre ça. Plus vite que ça. Oui. Tu vas... Ouvrir. Prends une portion. Que tu ne vas pas manger, évidemment, hein. J'ai cru qu'il avait cassé un truc, mais non.
Alors, il arrive, lui, mais putain, il bouge son cul ou quoi? Manger, où c'est mieux si... Mais... Hey Dan! Tu bouges ton cul? Mais il peut pas descendre maintenant? Mais je comprends pas. Viens ici. Là, je suis perplexe. Pour moi, ils savaient déjà tous descendre les escaliers assez rapidement. Tu sais pas descendre les escaliers? Non, il peut pas. D'accord. Tu vas le prendre dans les bras? Hein? Je pensais, moi, je suis un peu bête. Ouais, bah, bois. Ouais. Et tu vas te courir vampiriquement ici. Tu l'as dans les bras, hein? Mais non, mais elle n'a pas pris. Mais qu'est-ce qu'elle est con, elle aussi. C'est pas possible. Allez. Chou. Ok. Poseidon ici. C'est difficile la vie, hein? Pourquoi il y a des... J'entends des bruits de paillettes. Des bruits de paillettes, bah oui, vous saviez pas que les paillettes faisaient du bruit. Alors, bon, les amoureux vont bien. Tu vas manger, tu vas prendre une douche. On s'occupera. Et après, on va aussi en profiter pour bouger, vu qu'on est samedi, qu'elle n'a pas école à Zénor. Mais où est-ce qu'il va? Tu vas rien babiller, tu manges. À Zénor, va aux toilettes. Ah bah non, ton père, il est en train de se laver. Bah viens là! Parler de l'école. Athéna, elle a peur. Regardez-moi ces marmots. D'accord. Tu la calmes, ta chatte, ou quoi, là? C'est pas possible. Tu vas utiliser après. Courrier distribué. Tu vas changer ta tenue. Tu vas t'habiller. Ok. Il y a des trucs qu'on a... Je vais pas regarder combien on avait gagné, mais... Qu'est-ce que tu pourrais raconter à ton fils, toi? Faire connaissance? Illuminer la journée. Marouate, tu vas prendre une petite douche. Toi, elle s'est habillée, elle s'est parfait. Il est 10 h, bon, ça va être bien. On va être bien. Parler de sa journée. Toi aussi, tu peux parler un petit peu à ton frère. Ah! Mousse. Mousse? Mousse? Pourquoi mousse? Babier. Bah, mousse. Ah, un bain de mousse! Ah, un bain de mousse, peut-être, oui, mousse. Qu'est-ce qu'il a avec ses bras? Non. Bon, allez, vous vous dépêchez. Oui, si j'appuie sur pause, ils vont pas avancer. Ok. Ils sont fous. Ils sont fous, ces Sims. Allez, arrête avec ta télé. Toi aussi. Ah voilà, c'est ça. Mousse, ça veut dire un bain. Allez. Papa Calibou, il va donner un bain à son petit garçon. Faire une blague sur les vampires. Donc, là, elle voulait apprendre à parler. Qu'est-ce
Que dit-on d'Assim amoureux d'un vampire qu'il est vraiment mordu? D'accord. La journée. En plus, c'est nuageux. Bah, c'est parfait pour une fois que j'ai pas de pluie. Ah, on va pas se plaindre. Bon, dès que le petit il est lavé, ce qui est presque le cas, on va aller se balader. Enfin, quelque chose que j'ai pas encore fait. Et ouais, vous avez demandé qu'est-ce qu'elle a pas encore fait. Bah, il y a toujours des packs que j'ai eu que j'ai pas vraiment utilisé. Et c'est chiant. Donc, en fait, on va aller en famille avec donc Marwa, Aiden. Déjà, je choisis. Pourquoi? Ah si, j'allais dire pourquoi il a pas sa fille, mais si, c'est bon. On va prendre aussi Rieko, Stéphane, Lilith, Gaston et Angélique. Voilà, on va voir tout le monde. Et c'est un truc que je viens juste d'installer. On va aller à Newcrest. Vous allez voir, mon Newcrest, il est tout vide. On va aller au bowling! Mais oui, j'ai pas encore fait de partie de bowling, moi, quand même. Je tiens à le préciser, hein. C'est que, ouais, j'ai eu beaucoup de packs d'un coup et il y a des choses que j'ai toujours pas vraiment essayé. Donc, bah voilà, c'est l'occasion. Puis c'est vrai qu'avec les vampires, on peut se permettre de faire quand même pas mal de choses dans le long terme, hein, parce qu'ils sont pas prêts de vieillir et de mourir. Donc, pourquoi pas faire bah, le bowling. Alors, c'est un bowling que j'ai téléchargé sur la galerie. Il n'est pas de moi. Du tout, et c'est le premier qui a été, c'est celui qui a été téléchargé en masse en fait. C'est le plus téléchargé de tous les temps sur la galerie. Donc voilà. Mais écoutez, c'est pas mal, c'est simple, mais c'est efficace, avec les petits espaces boîte de nuit aussi, ouais. C'est quoi ici? Ah, c'est tous les trucs avec ah, c'est sympa. Ah, boîte de nuit, c'est censé être une boîte de nuit, mais... Attendez, je vais mettre les murs. Ah ouais, la petite déco. On a un bar majestueux, enfin c'est deux bars à côté, l'un à côté de l'autre. Je pensais qu'il y aurait un truc de DJ en fait, mais pas du tout. Ah, c'est bien foutu, hein. C'est joli. Ah ouais, elle a creusé dans le sol, d'accord. Enfin, elle, il, j'en sais rien, mais bon. Sauf que ça fait. Moi, j'aime pas les petits murs, donc c'est un peu juste. J'aurais fait un truc un peu plus haut. Mais bon, ce n'est que mon avis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, comment on fait? Juste, on va directement et on va jouer, c'est ça? Invité à jouer au bowling. En 10 frames. Allez, on va dire en 5. On va prendre Rieko, Marois, Gaston, Lilith, Stéphane. Ah, on est obligé que. Ouais, on est. Marwa joue pas. C'est nul! Jouer au bowling. En 5 frames. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais faire. Allez, go! Bon, évidemment, le petit Aidan, il va avoir du mal, hein. Oh, je les vois avec des parapluies. J'en ai marre, moi, qu'il pleuve tout le temps dans mes parties. Aidan! Il danse, cet idiot. Viens ici, petit chou. Voilà. La musique, elle est ouf! Et elle va très très fort. Alors, qui c'est qui commence? Compétence bowling acquise. Ah, le bowling, un jeu d'adresse pour les petits et les grands. Lire ne sera d'aucune aide pour cette discipline. Il faut jouer, jouer et encore jouer pour progresser. En développant ses compétences, Caleb améliorera ses lancers et son score. Il débloquera également de nouvelles couleurs de poules à sélectionner dans l'étagère de boules de bowling. Concentrez-vous sur l'objectif ultime du lama parfait, une partie pendant laquelle Caleb ne fera que des strikes. Avec un peu de chance et une compétence élevée, il finira par la réaliser. Alors, c'est à Lilith de jouer. Je sais pas où elle a lancé sa boule, mais... Loin. Mais attendez, il n'y a pas tout le monde. Stéphane et Rieko. Et elle danse. Ben viens là aussi, cocotte. Lilith relance. Elle est nulle, hein.
Rieko et Gaston, hein, les amoureux. Parce qu'ils jouent pas quand même tous, hein, j'ai l'impression, hein. Alors, Caleb. Oh là! Oh! Bien! Ça peut faire un spare. Un spare qu'on espère. Marois va se lancer. Oh bien! Non, non, et du coup, râle pas, hein. Faut déjà toucher les quilles, hein. Il y en a qui n'y arrivent pas, hein. Pourquoi? Moi, je préfère comme ça, c'est vachement plus sympa. Il arrive que maintenant, lui? Ah, la vache. Bon, on a loupé Gaston, hein, c'est pas grave. On verra plus tard. Bon, Lilith, elle va jamais bien, elle est toujours en train de se plaindre. Ah non, c'est Gaston maintenant, d'accord. Fantastique pour l'ambiance. Bon, Gaston, c'est un peu moins bien que les autres, hein. Amitié renforcée. Bah ouais. Oh, ça y est, elle est plus endeuillée. Ah si. Mais bon. Allez, Lilith, t'as 7 tipars. Oh, bah, gouttière, dac. Allez, suivant. Avec le clown triste au-dessus, là, qui s'apparaît. C'est trop drôle. Ils ont pensé à tout, quand même. C'est à qui de jouer? C'est à qui de jouer? C'est encore à Kalebou. En fait, ils sont que 4 à jouer. Oh là 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 là. Marois. Marois. Marois la belle. Marois. Ta da 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 da. C'est parce que ta mère est occupée qu'elle voit pas que tu fais des conneries, hein. C'est vrai que bon, on n'était pas obligé de le prendre, le petit, mais bon. Je sais pas, va déambuler. Oh, le dégueulasse. Va déambuler. Me saoulera moins. Allez, Marois. Oh, c'était nul. C'est nul. Gaston. Ce Stéphane et Rico ne jouent pas, c'est peut-être 4 max, hein, effectivement. Ouais, il y a mieux. Lilith. Ouais, il recommence. Mais je l'ai dit de déambuler, ce petit con. Il se fout de la gueule de qui? Enlever ses vêtements, non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là là, petit, petit merdeux. T'occuper de ton frère. Oh non. Elle va rentrer dans une phase. Bah dis donc, vous êtes vraiment pas terribles, hein, les gens. Allez, Marois. Montre-leur qui est là. Oui! Elle a eu un strike! Yes! Oh, j'avais pas vu les pompes encore. Oh! Wow. Mais pourquoi il n'y a que mes persos à moi qui ont des pompes dégueulasses et puis ceux-là? Ah bah c'est fini. Bon bah voilà. Mais je sais pas. Il est où lui? Ah, comme quoi il sait faire les escaliers maintenant. Fantastique pour l'ambiance. Aide pour danser. Ah, j'ignore, tu m'apprends à danser, s'il te plaît. Bon, bah, ils se sont tous barrés, nos amis, quand même. C'est sympa. Pour me dire qu'ils avaient autre chose à faire, d'intéressant. Stéphane! Stéphane! Ok. Bah, non, mais je sais pas, un peu. Voilà. Commander une boisson pour le groupe.
On va prendre un plasma Marie, parce qu'on est quasiment tous des vampires. Hein. Ah, il le commande de là! Compétence 2 en bowling. Est-ce que nos amis vont revenir? Qu'est-ce qu'il a, le petit? Il est fatigué. Ouais, c'est bon. Tiens, 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 Brent est là, et Brent. Brent et Brent. Ils s'éclatent. Mais par contre, tous nos amis se sont tirés. Ils ont dit, ouais, non, mais c'est bon, là. On s'en branle de ton bowling de merde. Ok, bon, bah, c'était sympathique. Hocher la tête en rythme. Apprendre à danser. Ah, c'est déjà le cas. C'est trop mignon! C'est trop chou. Voilà, faible pluie. Allez, bah oui, comme d'habitude, de toute façon, il pleut. Donc, Alors, est-ce que tu aimes ton petit cocktail Marouate? Illuminer la journée. Je peux lui lancer un petit bisou là, un petit bisou d'amour. Envoyer un baiser. Invite à rester dormir. Oh là! Mais pourquoi? C'était flippant, on aurait dit un garde à vous. Bon, allez, c'est bon, on rentre à la maison là, ça me gave. Ce le petit, il est fatigué en plus, donc ouais, ils sont tous rentrés chez eux les autres. Donc c'est pas plus mal. Voilà, nous sommes rentrés à la maison. Alors, le petit, qu'est-ce qu'il a? Il a très faim et il a très dodo. Ok, on va ouvrir. Qu'est-ce que tu peux prendre? Toi, tu peux rien prendre. Oh, ça me saoule. Ça me saoule. Parce qu'en fait, c'est pas des plats que nous, on a fait. C'est ça, hein. Oh, celui-là, oui, par contre. Allez, petit bout de chou. Prends un morceau. Toi, on va faire du travail supplémentaire. Toi, bois un coup. Marouate aussi. Oh, la petite, elle est en train de dormir. On n'a pas encore reçu le courrier. Ok. Bah écoutez. Toi, tu vas aider ta fille à faire ses devoirs. Hop! Calibus, ben Calibus, tu peux faire ce que tu veux. C'est vachement calme là, on arrive à la maison, après toute cette musique à fond, on est très 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 calme. Hein. C'est pas plus mal, c'est reposant. Ah Caleb, tu te fais pas trop chier là? Ah non. Ah bah, il va regarder la télé. Oh, comme c'est étonnant. En plus, regardez ça s'il te plaît, mec. Piquer une crise. Oh, je ne crois pas, mon petit. Tu manges ton truc? Oh là là, d'accord. Non, non, tu... Alors, papa, il va aller te coucher. On va aller voir le bambin. Ouais, tu vas lui... lire une histoire pour s'endormir. Mais je pense pas, parce qu'il n'y a pas de place. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Il va remettre l'assiette. Ah ouais, bah, il a pas fini de manger. Maman! Ça fait déjà tard, hein, déjà 19h. Là, ça va vite. La vie des Sims. Oh, ben voilà. Oh, ouais, regardez. Excusez-moi, je suis très très à fond. Ah, ben si, ça marche là. Je comprends pas pourquoi dans des displays, on peut pas lire l'histoire parce qu'il faut que les deux côtés du lit soient libres et là ça fonctionne. Bon, on dira rien. Peut-être qu'ils ont corrigé ça aussi, c'est possible. Donc, je ne m'aventurerai pas. C'était l'histoire d'un dinosaure vert avec les picots rouges. Et son cousin, il était jaune. Et il y avait... Non? Si? C'est quoi ça? Il y avait deux fées. Et... Ah, ben voilà.
Ok. Mais va te coucher, le petit. Oui, va te coucher, dodo. Dormir, dormir, dormir. Très bien. Et puis, bah, c'est tout, hein. De toute façon, il peut pas faire grand-chose. Bordé, vas-y. Borde ton fils. C'est trop mignon. Oh, t'es trop mignon, Calebou. Allez, niveau 7, je te laisse faire ta vie. Oh bah elle aussi, elle va dormir. Quoi? Pourquoi elle pense à se pisser dessus, elle? Non, il n'y a pas de monstre, hein. Je te signale que t'as une lampe. Bah tu vas aussi l'aborder, tiens. Tu vas lui faire un petit bisou à ta fille. Qu'est-ce qu'il était parti faire avec Marois? Tu commences à chanter des chansons d'amour comme d'habitude. Oh, je vous jure, moi, il m'épuise. Voilà, c'est trop chou. Nuage nocif. Ne. Ne. Ah bah elle est devant le PC maintenant. Bon, mais c'est bien les enfants. C'est très bien, toi tu peux nettoyer. Ça te fera une occupation. Calebou. Allez, on va faire des petites toiles pour terminer l'épisode comme souvent où on les commence, on les finit parce que maintenant Caleb s'est mis à la peinture, on en profite aussi quoi. Voilà! Il est tôt, mais bon, je pense qu'on a fait. Je parle tôt dans la soirée hein, pour les Sims. Je pense qu'on a vu nos amis, même s'ils sont pas restés des masses. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, c'était un peu. Voilà, ouais, on avait fait un peu de pooling vite fait, c'était sympathique. Et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode de Marois. Allez, salut!